Bonjour, bienvenue à la boutique Parence. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un peu de Secret Lair, le pack Hatsune Miku. Alors, du coup, allez, on va commencer par ça. On les présente pas. Pocahfès, alors qu'est-ce que c'est? J'ouvre le non-foil. J'ouvre la version foil du coup. Ah oui, c'est les cartes. Coffin Queen. Donc, voilà, on la reconnaît pas trop. Donc faut savoir ce que ça fait, sauf s'il y a l'effet derrière. Non, il n'y a pas l'effet derrière. C'est pas comme les cartes de baseball. Goblin King. Ça, ouais, faut connaître parce qu'il y a du texte aussi. Et Runkle. Et un Evil Designer. Oh. Il est En parti, machin. il voulait pas. Donc ça c'est la version foil. Ouais, pas un très gros intérêt le foil. Bien dans le même sens du coup pour la caméra. Ouais, normalement c'est comme ça. Et un sage en évolution. Après, il y a le sans merci. Attends, je vais mettre la caméra comme ça sera plus mieux. Hop. Plus en face, ce sera mieux. Voilà, Stitch. Donc là, le son merci. Sans merci. Tiens, je te laisse. Alors, des beaux dessins, par contre, l'écriture, c'est un peu spécial. Donc, la Doomblade. Comment je peux. Massacre qui était en Amésis. C'est pas dans celui-ci qu'il y a par moi cet effrayant. Ouais, on est dessus. Et du coup, a priori, ça ressemble à une sorte de. Je sais pas, de Drazi, je sais pas ce que c'est. Ce que c'est. C'est vrai que c'est un peu miraculeux. Ça fait un peu moins qu'une ruination. Bah, les dessins sont jolis, hein. Ouais, les dessins sont très Après, sympas. l'écriture. C'est un Mogis. peu spécial en effet. Et en bonus, il y a un Speedful Prankster. Le petit exemple, c'est marqué April Fool. Tiens, la version foil du coup. Hop, ouais. Celle-là, ça va aller en folie, pas trop mal. La beauf. Mogis, ça va, ça fait pas trop mal en foil. Et celui-là, non, un peu trop sombre. Hein. Donc après, c'est le Goblin Gram du coup. Ah oui, c'est Instagram Gobelin. L'Instagram Gobelin. C'est bon qu'on les avait déjà reçus. Ah mais non. Du coup, non. Donc, il y avait des bons gobelins, mais pareil, le style. Après, les cartes là, on va les retrouver, je crois, il me semble. Ah non, Tron, non. Goblin Shifting. Ringleader. Le gobelin Welder, version bouche en cul de poule. Ça fait des bisous, hein. Ça fait des bisous, ça fait des cœurs. Ah bah si, il y a Tron. Ça doit être la carte bonus du coup. C'est la carte bonus, ok. En fait, on avait été spoil en regardant le nom de la carte dans les commentaires du coup. Ouais. La version foil du coup. Donc la version foil, ouais, bah avec le petit cadre, ça fait pas trop mal. On voit surtout que. Il y a les versions avec le. En fait, tu vois le téléphone qui est cassé. Tu vois le téléphone qui est cassé. Ouais, sur le devant, t'as les. Ah oui. Les fêlures. Ouais. C'est vrai que les cassures, ça rend pas mal en foil. Là, je sais pas, on la voit pas trop en bas là. Non, il y a une petite cassure ici. Voilà, on la voit un peu là. C'est vrai que c'est sympa. Donc là, ouais, le coup en foil.
La version folle est mieux que la version. Là, voilà, on voit bien la casse en foil. Puis là, voilà, on voit encore mieux là. Donc là, ouais. Un bon point pour la version foil. Je sais pas ce que c'est, je m'en rappelle plus. C'est le truc de cowboy, après lequel. Qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas. Ah, Tesseract Cowboy. Tesseract the Seeker. Grizzlebrand, ah bah oui, il y a Grizzlebrand, le premier du nom qui aimait bien être réanimé. Grenzo. Nicole Bolas avec le train à roule. J'aime bien le délire sur les côtés. Ouais. Ça fait effet cuivré, mais en fait ça fait vraiment affiche de. Ouais, ça fait un peu. Ça fait bien, je trouve. Ça fait un peu affiche de film des années 60. Ouais, ouais, j'aime bien. Nicole Bolas, il est vachement cool. Et encore un Eevee Denizen. Est-ce que la version folle. Ça fait ressortir un peu la rouille. Mais ouais, ça fait bien sur le band Grizzlebrand. Mais voilà, peu mieux faire là. Là, ils auraient pu mieux faire, franchement. Là, je dirais. Bah, encore une évolution sage. Là, ouais. Moyen. Volume 2, du coup. Alors, Vorinclex. Vorinclex. Donc celui à 8 mana. Carona. Donc qui a jamais été réédité depuis Fléau. Le dessin est sympathique. La carte, je sais pas si elle sera jouée. C'est un peu spécial. Corvold. Donc le dessin est pas trop mal. Il y a du cochon, il y a du serpent. Il y a une sorte de rat, je crois. Même narc version cowboy. Et on change, celle-là on l'a pas encore eu, un fierce en passe. Tiens, la version foil du coup. La version foil, ouais. Oh, bah, j'ai l'impression que celle-là elle est encore pire que l'autre. Hein. Non. Ouais, pas terrible la version folle. Bof, bof. Et encore un Eevee et l'Endeniza. On a bientôt le playset. Le showcase, là, c'est le playset. Ah, les affiches Wanted. Et puis il y a une carte à l'envers. Ah non. Okay. Un Kalistas Traitor of Gate. Donc ça, c'est une très bonne carte. Le dessin est sympathique. Le design, ça va. Ça passe. Magda. Dagfeden. Grisfang. Et Nora The Wari qui est double face celui-là. Ouais, ça c'est étrange. Ouais. Là, c'est. Tu me vois, tu me vois plus? Ouais, c'est. Je suis là. Mais non, je suis déjà parti. Ok. C'est rigolo. La version foil. La version foil, ouais. Un petit peu, ça va. Non, ça va. Ça va, ça rend mieux. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Alors, c'est quoi ça? Le Hatsune Miku. C'est la version japonaise, du coup. Alors, illumine ton monde. Illumine le monde avec ton étincelle. Une heure, c'est rentable à soi, donc. Avec ta propre étincelle, normalement. C'est joué à la boîte. Alors. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est Shelter, ça. Shelter, ouais. C'est comme ça. Abri. Sortie
En Odyssée, la première fois. C'est dans protection, ça. Protection, c'est une couleur, tu pioches une carte. Oh, c'est mignon. Ça, c'est la. Je sais plus si ça s'appelle Confluence, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle la rouge. Ça, c'est pioche 3 cartes. Harmonisation. Azusa. Azusa. Elle est perdue, mais pas tant que ça. Plume. Et plume, qui est sympa. Ok, là, t'as le. Oh, ça, c'est. T'as le Fastland, Boros, Inspire Vantage. Ok, qui est sympa. Et la carte bonus. Qui est très très jolie. En foil. Et en non-foil. Voilà, ouais, en foil, elle est plus belle. La version foil des cartes, du coup. Version foil. Ouais, ça, il y avait moyen de la rendre très belle, la foil, mais là, ils n'ont pas exploité les éclairs. Ça, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là aussi, ça peut aller. La ceinture, on voit le détail. Plume. Ouais, ça peut aller. Et le terrain, qui est un peu plus compliqué, mais avec la lumière, ça va. Du coup, la version anglaise. La version anglaise normale, bon, ça, on va faire vite fait, hein, parce que. Ah oui, Chandra Émission, ok. On passe mon Chandra. Il est sorti en Magic Origins de mémoire. Ça, c'est. Ah, du coup, dans le japonais, dans le japonais. Ouais. Faut pas attention. C'est pas pratique, au moins. Non, bah non, ils mettent une tonne de colle. Je sais pas pourquoi ils font ça sur les. Toujours. Les cartes, juste pour les versions, entre guillemets, des spéciaux, mais. C'est pas pratique, je trouve. Non. C'est la même chose, mais en anglais. Et ensuite, il y a un truc sur comme quoi, où il y avait la bonus. Ah oui, la Seedborn Muse. Rainbow Foil. C'est marqué. Alors, est-ce qu'on va avoir un rainbow? Donc ça, c'est la carte bonus. Pour avoir acheté, je crois, tous les packs, je crois. C'était tous les 230 euros d'achat. Donc ça ressemble plus à une plante qu'à une. Qu'à la demoiselle qu'on connaissait sur le dessin original. C'est. Ouais, c'est sympa sans plus. C'est tout, on a tout ouvert ? On a tout ouvert là, on bon. Va tous les côtés différents. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, ouais, celle-là, très 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 jolie. J'aime beaucoup. Bon, ça, évidemment, les cartes promo, on n'a pas eu grand chose de sympathique. Donc, ouais, il y a des cartes sympas. Nicole Bolas, ouais, franchement, il est très très beau. Ça aussi. Nouveau Guise aussi, il est beau. Les cartes à jouer, c'est rigolo, les cartes à jouer. Après, c'est dommage qu'ils ont promis le texte derrière, comme les cartes de baseball. Ou comme les cartes de briques, enfin les paquets de céréales aussi. Ouais, que les paquets de céréales. Bon, puis là, pour le coup, les foils de Instagram, elles sont largement au-dessus de la version no foil. C'est rarement le cas, mais là, oui, c'est carrément le cas. Puis, ouais, Tsunemi Q, c'est sympa, je suis. Je connais pas trop de personnages, mais les cartes sont jouées. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, genre la vidéo était nulle ou un truc comme ça. Et à mettre un petit pouce. Allez, bougez bien.